Le gouverneur du Nord-Kivu, Julien Paluku-Kaongya, est déterminé à retrousser les manches pour plusieurs chantiers amorcés. Après les infrastructures routières, scolaires, en milieu urbain et rural, le secteur de la santé n'est pas en reste. À Goma, l'hôpital général va bientôt bénéficier d'une clinique VIP moderne avec comme particularité le service dialyse. 3 mois après le lancement des travaux, Julien Paluku fait les suivis et se rend compte de l'évolution très positive des travaux. Ces bâtiments poussent comme un champignon, c'est grâce au financement du gouvernement provincial qui veut matérialiser la vision du chef de l'État Joseph Kabila en province du Nord-Kivu, celle de la révolution de la modernité dans le secteur de la santé. Cette clinique VIP à l'hôpital provincial est une unité d'autofinancement, comme l'a précisé le chef de division de la santé. Hier, c'était le Belge. Aujourd'hui, l'État congolais prend ses responsabilités pour reconstruire ces infrastructures pouvant servir pendant des centaines d'années, témoignent les bénéficiaires. Une première dans l'histoire de la province du Nord-Kivu. C'est une particularité pour la province, pour le Nord-Kivu, d'avoir un système de s'il y a des cas, on doit être obligé de les référer soit à Nairobi, soit à Kinshasa. Donc ça sera une première dans la province et ça va aider la population. D'autant plus qu'il y a un grand nombre de malades qui commencent à avoir des insuffisances rénales. Cette clinique VIP à l'hôpital du Nord-Kivu sera inaugurée dans 2 mois, rassure l'ingénieur qui a gagné officiellement ce marché. L'heure est de couler la dalle du premier niveau. Je suis venu moi-même rendre compte de l'évolution des travaux de cette clinique que nous voulons être une structure d'autofinancement de l'hôpital provincial. Vous savez, avec une clinique comme celle-ci, ça va accueillir suffisamment de malades, ça va limiter que les malades n'aillent à l'extérieur où nous perdons suffisamment d'argent. Et d'ailleurs, je viens d'apprendre par les services qui sont en train de superviser les travaux qu'il y aura même un service que je peux appeler d'oxygénation, c'est-à-dire on va réanimer les malades à partir de sa chambre. Donc on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Donc les structures d'oxygène sont incorporées dans le mur pour que les malades soient réanimés chacun dans sa chambre. Donc c'est une clinique qui permettra effectivement de nous inscrire dans les soins de santé pour permettre à ce qu'il y ait d'abord une accessibilité. Vous savez, il y a beaucoup d'accessibilité en matière de santé, il y a l'accessibilité économique, l'accessibilité géographique. Et pour nous, nous sommes en train de coupler toutes ces accessibilités-là pour nous permettre à ce que nos populations, économiquement, puissent rester ici au lieu de dépenser des centaines de milliers de dollars pour les billets, pour les séjours à l'extérieur. Donc ça, le sentiment qui a animé le gouvernement provincial. Et cette construction est sous financement du gouvernement provincial pour un budget qui va avoisiner les 350 000 si on doit y incorporer les lits qui sont professionnels. Et donc nous sommes heureux par cette visite du 90e jour à partir du moment où on a lancé les travaux et nous pensons que peut-être dans les 90 jours suivants nous aurons déjà inauguré cette grande clinique.